Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve pour un duel sur le jeu Dragon Ball Legends avec le frérot Yekase. Comment vas-tu frérot? Mais wesh monsieur le Geek, ça va. Ça va. J'ai connu des meilleures journées. Mais ça va, tranquille. Forcément, le frérot, hein, on n'oublie pas, il sort du Covid. Eh, me le refile pas, c'est pas parce qu'on est côte à côte là, me le refile pas, garde-le, frère. Ah là, pour l'instant, c'est encore un petit peu la merde, genre en gros, ça va mieux pour la semaine dernière. Mais je suis fatigué, oh. Et voilà quoi. Ah, c'est normal. Grosse force au frérot. Yekai, ses amis, grosse force également à vous si vous avez été touché ou si vous avez des proches également qui sont touchés. On est en pleine crise sanitaire. Courage à vous en espérant que tout aille bien. Les amis, ça me fait plaisir de me retrouver avec le frérot Yekai sur la chaîne pour un duel, pour de la baston, pour de la bagarre. Parce que ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas affronté. Et cette fois-ci, on va pouvoir le faire avec le nouveau concept de Dragon Ball Legends et leur application. Hop, vous la voyez derrière moi, Yekase est en train de sélectionner la règle du combat, veuillez patienter. Et lui, du coup, vous voyez sur son écran, eh bien, il va choisir une règle, c'est un petit système à la Random Rush, mais avec des petits handicaps, et d'ailleurs, eh bien, il va nous expliquer le concept, le frérot. Vas-y. Alors, du coup, merci monsieur le geek d'avoir pris la parole, d'ailleurs, bonjour à tous les geeks hein, derrière l'écran, bonjour au monsieur le geek qui sont derrière l'écran. Bon, en tout cas, en gros, je vous explique rapidement, on aura... plusieurs règles. En fait, on aura plusieurs règles. On va en choisir une pour bah du coup cette vidéo. On a les règles d'exclusion. On va exclure bah du coup plusieurs unités que l'adversaire ne pourra pas prendre. Donc pareil, je te dis n'importe quoi. J'exclus Gogeta, Freezer, Broly et Lavenda. Et bah du coup, il aura pas le droit de prendre ces unités là. Le geek, lui de son côté, il va exclure aussi des unités. Bref, ça c'est règles d'exclusion. Règles d'invocation scellée, bah c'est les random rush. En gros, c'est pour ça que on soupçonne quand même qu'ils aient regardé notre contenu, n'est-ce pas, monsieur le geek? Exactement. Ils ont regardé ça à la loupe. Ça ressemble beaucoup. À la loupe que ça. À la loupe. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Exactement. Et règles de sélection alternée, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce que tu m'as dit du coup. Règles de sélection alternée, c'est en gros, je vais choisir une unité. Oui. Je te dis n'importe quoi. Je vais choisir dispo. Je prends dispo, bah toi tu n'auras pas le droit de prendre dispo, mais tu vas devoir prendre une autre unité. Et ça, ça va être grave stratégique parce qu'on va essayer de défaire, de déjouer les plans de nos adversaires. Donc, voilà. Exactement, voilà, parce que comme il a pu le dire, voilà, s'il commence à prendre dispo, topo ou quoi, il peut potentiellement partir sur une team univers rival. Alors, ne soyez pas choqués si par exemple ça part sur une team cyborg ou régène et que d'un seul coup... Eh bien, hop, tu choisis un hit ou quoi, tu peux te dire, mais pourquoi il a pris ça, ça va pas du tout avec sa team. Bah non, mais c'est pour essayer de casser la synergie de l'adversaire en fonction de ses choix. Monsieur. Voilà, c'est on essaye de... Ah. Voilà. D'accord, je vois les bails. En tout cas, ça sera, juste pour expliquer aux frérots derrière l'écran, ça sera du LBR. Donc, oui, LBR, 14 étoiles partout. Signifie 14 étoiles partout. Pas d'équipement. Et pas d'équipement. Voilà. Et un Rising Rush autorisé, genre c'est le Joker. Ah bon? C'est pas 3 ou 4, c'est 1 Là, il n'y a pas de souci, un Rising Rush d'autorisé, pas d'équipement. Mais on n'a pas le droit de le counter. Étoiles. De quoi? On n'a pas le droit de le counter. Comment ça, pas le droit de le counter? Bah, je rigolais. Zarman, si jamais il met Strike, et je mets Strike, t'as pas le droit. Non, tu mets Blast si j'ai mis Strike. Tu mets Blast, voilà, tu mets la verte. Bon, en tout cas, on est parti pour règle de sélection alternée, frérot. Vas-y, frérot. Dis-moi. Règle de sélection alternée, bam. Donc, vu qu'on a 6 unités. Une équipe est composée de 6 personnages, je vais mettre 8. Okay. Comme ça, en gros, on aura 2 jokers. Ok, ça marche. Allez, commencez. Sofiane le Geek est en train de consulter la règle. Let's go. Voilà. Let's Donc, choisissez d'avoir l'initiative ou non. Avoir l'initiative, choisir en second ou aléatoire. T'es prêt? Vas-y. Aléatoire, c'est parti. Allez. C'est parti. C'est moi l'initiative. Ok. C'est moi, j'ai l'initiative. Donc, je vais choisir un personnage. Vas-y, choisis. Okay. Choisis, monsieur. À votre tour de choisir. Donc, je vais choisir un personnage. Et toi, t'as pas le droit de... Et quand même, c'est archi bien fait. Alors, on peut mettre après le filtre. Il y a un temps en plus, hein. De quoi? Il y a un temps, hein. Il y a un temps, il y a un chronomètre, exactement. Alors, par contre, c'est quand même hyper stylé ce qu'ils ont fait. Parce que là, nous sortir une application, vous voyez là, juste derrière moi, comme ça, pour le jeu Dragon Ball Legends, je trouve ça archi stylé. Et bien évidemment, je vous mettrai le lien de ce site dans la description de cette vidéo. Et bien évidemment... le lien de la chaîne du frérot Yekase. C'est bon, j'ai pris mon unité. Ah ouais, il a pris son unité. Badak. C'est bon, j'ai pris mon unité. Ok, très bien. C'est à toi de prendre l'unité. Très bien,
très bien, monsieur. Qui va acheter? Ah, je suis trop excité, les frères. Je suis tout excité. Vas-y, je vais commencer à le prendre, du coup. Alors, attendez. S'il a pris Badak, on va partir sur un petit truc. Donc, c'est quoi le mieux? C'est de commencer sympa, ou de faire en sorte que l'adversaire commence? Parce que, du coup, il connaît un petit peu ma stratégie, là. Hop. Bim. Le Goku SSJ3 LF type vert, les frérots. Voilà, on va faire ça. Après, comment je fais pour valider, du coup? Bah là, tu fais... Bah là, c'est bon, là. T'as validé. À votre adversaire de choisir. Tu dois choisir le deuxième, du coup. Ah, d'accord, je dois en choisir un deuxième. Très bien. Eh ben, on va choisir tout de suite. Hop. C'est plutôt vraiment bien foutu, leur truc, hein. Franchement... Ouais, c'est bien fait, leur truc, hein. Ils ont fait un truc hyper, hyper stylé. On va partir sur... Broly LF. Non. Voilà. Alors ça va, monsieur, hein? Non. Voilà quoi, j'ai envie de vous dire. Bah ouais, frère, mais tu croyais quoi? Il nous sort direct le Badak Zenkai. Tu crois que on va te laisser faire ce que tu veux ici? T'es pas chez toi ici, monsieur. Non. Allez maintenant, vas-y, va choisir maintenant. Va chercher bonheur, va. En tout cas, les amis, on espère que ce concept va vous plaire. Et je trouve que c'est déjà beaucoup plus sympathique, beaucoup plus amusant de pouvoir choisir nos persos en style random rush, un peu comme ça, avec une application officielle du jeu Dragon Ball Legend. C'est mieux que d'aller sur le site random.org avec des chiffres et puis compter, etc. Je peux comprendre que c'était assez galère. Ah, il a pris le Gogeta. Très bien. Tu veux la jouer comme ça. Très bien. Tu apprends de qui, monsieur? Tu veux la jouer comme ça. Tu apprends de qui, monsieur? Eh bah écoutez, cher monsieur, on va... On va se la jouer autrement. Je sais très bien ce qu'on va apprendre, monsieur. Le Goku Namek, voilà, tout simplement, LF Zenkai. On va faire ça. Ouais. Oui, monsieur. Ouais. Je suis un peu déçu de toi, hein. Y'a pas de souci. Prenez, monsieur, ce que vous voulez. Vous inquiétez pas. On sera là pour... resserrer la vis. Alors, attention, qu'est-ce qu'il va prendre là maintenant? Qu'est-ce qu'il pourquoi va prendre, les frérots? Pourquoi tu prends le Goku Namek? Parce que je vais pas te laisser partir en SCJ, frérot. Tu me prends pour qui là? Je pars pas en SCJ là. Ouais, tu pars pas en SCJ. Tu pars en SCJ 4 là, peut-être. Oh là là. Et du coup, après, bien évidemment, les persos qu'on aura tirés, eh bien, on va les remettre sur notre jeu Dragon Ball Legends une fois qu'on aura fini avec cette application. Tu pars pas en SCJ, là? Ah ouais, tu pars pas en SCJ, ouais. Ah, il me reste 5 secondes, je trouve pas. Tu trouves pas quoi? Qu'est-ce qu'il trouve pas? C'est... Voilà, cher. Le temps dépassé. Voilà, cher. C'est très bien. C'est très très bien. Si, c'est très bien. Très très bien, monsieur. C'est parfait, même. Tiens, vous savez quoi? Ça va trop vite. Vu que ça, c'est casse-tête. Voilà, je le prends. Voilà, c'est à toi. Je sais que lui, c'est casse-tête, etc. Tout ça, avec le Badak, Saiyan bleu et tout, voilà. Oh! Mirai. Pourquoi tu prends Mirai, toi? Pourquoi tu veux prendre Mirai, wesh? Laisse-moi tranquille. Wesh, pourquoi il prend Mirai, lui? Alors là, par contre, là, c'est un peu galère. C'est un petit peu galère. Sauf que... Ouais, et puis du coup, j'ai fait n'importe quoi, les gars. C'est un peu galère. J'ai fait n'importe quoi, la team. On va prendre ça au cas où. Voilà. Non. Voilà. Voilà, monsieur. On va prendre ça. Mais qu'est-ce que t'as fait, gros? Je suis obligé. Au cas où, pour de la famille de Goku ou quoi. Ou on va voir un petit peu ce que ça va donner. Parce que là, j'essaie en fait de contrecarrer ce que t'es en train de faire là. Tu pars sur de la SSG et tout. Y'a pas de problème, mais on va voir. Là, il réfléchit. Théma, regardez-moi sa tête, là. Regardez sa tête avec ses binocles, là, et sa main sur son visage. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, purée, je l'avais oublié, lui, le SSJ3. Bah ouais, je me suis dit que t'allais le bloquer. Je l'avais oublié, lui. Je me suis dit que t'allais le bloquer. Je l'avais oublié de ouf, effectivement.
Pourquoi tu vas dans les Super Saiyan? Mais occupe-toi de ta team. Non. Mais occupe-toi de ta team. Attendez. Mais en fait, tu pars sur quoi, toi? Toi, tu cours juste du counter. Broly. J'ai pas Zenkai, j'ai pas Zenkai. Moi, j'ai Zenkai, il est Zenkai 7400%. T'inquiète pas. Il est fort? Il est très fort. C'est pas hyper cheaté comme C18 ou Gohan, on va pas se mentir, mais il est très fort. Il est très fort. Il est très fort, monsieur. C'est très fort. On va voir ce qu'il va choisir. C'est pas mal quand même ce qu'il est en train de faire. C'est pas trop mal. C'est spécial ce que je suis en train de faire. C'est dommage que j'ai pas le badak et tout, parce que ça aurait pu être vraiment très intéressant. Malheureusement, je n'ai pas de badak, malheureusement. Il l'a pris. Et c'est ça qui est stylé, en fait. Parce que, du coup, lui, il choisit ses persos en fonction de ce qu'il choisit. Ok, Goku, Super Kaioken. Très bien. Lui, il va nous faire des surprises, lui. Lui, je sens qu'il va nous faire des surprises. Lui, là, il va nous faire des surprises. Je vais être obligé de prendre un truc. Lui. Bim. Le Goku Super Saiyan du film Metal Cooler, qui est vraiment très fort, qui cogne très fort avec ses strikes et sa spé incroyable. C'est plutôt pas mal. Ouais, si tu veux. Ça te fait plaisir. Bien sûr que ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'il croit, lui? Bien sûr que ça nous fait plaisir. Si ça te fait plaisir. Qu'est-ce qu'il va prendre, là? Qu'est-ce qu'il va prendre? J'ai 30 secondes. Ah ouais, 30 secondes, ouais, bien sûr. C'est ça qui est bien, parce que avant, tu vois, en random rush, on n'avait pas de chrono, on n'avait pas tout ça. Là, maintenant, il y a un chrono, tu vois. Et le fait qu'il y ait un chrono, bah, faut que tu te dépêches quand même à choisir les persos, parce que sinon, tu te retrouves comme Yekais. Au niveau du troisième perso, bah, il a pas pu choisir. Et ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt pas mal. Je prends Goten! Goten, ok. Je sais pas pourquoi j'ai pris Goten. J'ai stressé. Ok, il a pris Goten. Je réfléchis. En vrai de vrai, c'est dommage qu'il a pris le Gogeta. Parce que là, j'aurais été vraiment très très bien pour ma team. Et... Je sais pas pourquoi j'ai pris Goten. Je réfléchis, mais je vais pas avoir trop de choix. Je sais pas pourquoi j'ai pris Goten. Ah les gars, c'est dur. Je vois le temps défiler en plus. Tic-tac. On va juste mettre lui, voilà, pour le boost. T'as pris qui? Le Vegeta Big Bang. Je l'ai même pas, lui! Moi, je l'ai, frère. T'inquiète. En vrai de vrai, on a fait une team pas trop mal. J'avais juste pris le VB au cas où, tu vois, si après, derrière, il bifurquait un petit peu, on sait jamais, en fusion ou quoi, vu qu'il y avait le Gogeta et tout. Mais là, voilà. J'ai voulu jouer un peu la sécurité, parce que quand tu vois le Gogeta, quand même... C'est bon pour moi. Voilà. Ok, il a pris Raditz. Donc là, maintenant, on doit reprendre nos personnages, les amis, et les remettre directement sur notre jeu. Alors, là, maintenant, il faut faire une team de 6. Donc là, du coup, on cache l'écran. Là, vous voyez la team que Sofiane Geek a choisi. Voilà. Ma team. Donc là, on va cacher l'écran. Enfin, on va cacher l'écran. On va juste enlever la capture de fenêtre pour pouvoir voir. J'ai fait écoutez, n'importe quoi. Non, ça va. Laisse-moi tranquille. J'ai fait n'importe quoi, il dit. J'ai fait n'importe. Et toi, fais voir ta team. Bah, oh, mes frères. Il a. Oh, Goku, SCJ3. Ouais, d'accord, ok. Genkidama, ouais. Broly, LF. 14 étoiles en plus, Goku Namek. VB. Mes frères, t'as pris que des Zenkai LF. Attends, il a pris 1. Faut que j'aille dans ça. Déjà, il a pris 1, 2. Moi j'ai pris 3 Zenkai. Eh, on devrait limiter les Zenkai à 3 au moins. Ouais, t'as 1, wesh. T'as 2, t'as 3, t'as 4 Zenkai, wesh. Ok, monsieur. Et t'as 1, t'as 2, okay. T'as 3, t'as 4, t'as 5 LF. Ok, monsieur, ok. Commencez pas. J'en ai qu'un de LF, moi. Commencez pas vos chinoiseries là. Moi la vérité, je t'invite. Vas-y, invite. Hop. Après, on avait pris. Après le Goten, attends, je vais voir le Goten si ça capse bien. Toc. Ou pas. Voilà. Je vais voir si ça capse bien. Ouais, c'est pas mal. Hein. Goten, ça capse un petit peu quand même pas mal. Hein.
Voilà. Raditz, et Raditz, il KZ comment, Raditz? Et là après. Et le Raditz. Là après, faut faire attention. Je sais pas. Comment ça va se passer? Du coup, c'est du BO3. Est-ce que les trois premiers persos qu'on aura pris, faudra les reprendre? Non, tu pourras pas les réutiliser, okay. Les trois. D'accord. Premiers. Donc ça veut dire faut jouer vraiment strat. Ok. Bah ouais, comme d'hab. Ok. Non, mais y a pas de souci. Pas de souci. Comme d'hab, monsieur. Je réfléchis en fonction de ce que. Il est où, Raditz? En fonction de ce que j'ai pris, bah on va faire ça. Il est où, Raditz? Raditz, si KZ comment? Déjà, j'ai oublié. Alors, attendez, hop, voilà, tac, tac, tac. C'est... Et voilà, on va partir comme ça. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Ah, dites mon pote à la compote. Ah, dites, ça allait régler. On va partir comme ça. Vas-y, bah tu peux m'inviter, cher Vas-y, ami. Vas-y, je t'invite, monsieur. Moi. J'espère que tu te sens bien. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires voilà ce que vous pensez un petit peu de cette application. Parce que en soi, en vrai, moi je trouve que ça c'est vraiment stylé. Du coup, vous pouvez même l'utiliser avec vos potes, vos proches, etc. Vous pouvez faire comme nous avec Yekes. Et d'ailleurs, il y en aura d'autres. Hein, c'est le premier de la chaîne. Et d'ailleurs, il y aura également le match retour sur sa chaîne. Donc je vous invite à aller le voir dans la description de cette vidéo. Vous allez voir la vidéo tout simplement sur la chaîne du frérot. Et voilà quoi, c'est plutôt pas mal, moi ça me plaît ce genre de bagarre, monsieur. La bagarre, oh, parle pas avec moi, la bagarre. Parle pas avec moi, il a dit. Parle pas avec moi, je t'ai dit. Laisse-moi me concentrer là, je suis stressé, vas-y, je cache ton écran du coup toi. Ok. Comme ça je ne sais pas qui tu vas prendre. Voilà, hop. On va voir, allez, on va voir si du coup, il a pris du VB, il a pris du Big Bang, il a pris des trucs chelous, taillis. Big Bang attaque. On va voir ça les frères. Ok. Mais t'as même pas mis VB. Mais non, j'ai pas mis VB. VB, Osef, il a un gameplay hyper simpliste. Ah, mais moi, c'était juste pour te. Pour genre m'enlever VB. Non, mais on connaît Gogeta, tout ça. Après, si tu partais sur de la Kefla et tout, après tu m'aurais pris VB. Ça y est, c'est bon. On connaît, frère. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre Qu'est-ce que moi je vais prendre? Qu'est-ce que toi tu vas prendre? Ouais. Je pense. Parce que là, du coup, la question. Tiens, sur ça. Let's go, c'est bon. J'ai choisi, cher monsieur. On verra bien maintenant ce que ça va donner. Et puis, bah, les gars, comme d'habitude, hein, max de pouces bleus sur cette vidéo. Et franchement, ça s'est kiffé de voir, voilà, comme vous pouvez le constater là. On va tout donner. Ce genre d'application. Franchement, je suis hyper. Content que voilà le jeu ils aient sorti ce site. C'est stylé de ouf. Ish. Alors qu'est-ce qu'il va nous prendre, lui? Alors, qu'est-ce que toi tu vas prendre? Moi les gars, moi ça fait un petit moment, j'étais malade, je peux aller au jeu. Moi la reprise elle revient petit. Ok. Ça marche. Ok. Ça marche. Je vois les bails. Toi t'attaques direct toi. Toi t'es le genre de personne à attaquer direct. Bien sûr monsieur. Ouais, chaque contre-type, calme-toi, non? Ouais, cher contre-type, calme-toi, Yesarbi. Ok. Ok. Attention. Ok. Parfait. T'attaques direct, mais Chab! Bien sûr, monsieur. Chab à contre-type! Ouais, ça va faire mal. D'accord. Je suis deg. Ok. Non! Mais frère! Si, monsieur. Non! Non! Si, il faut que vous puissiez prendre. Ça va faire mal. Ces dégâts, tu vois. Faut que tu... Ça va faire mal. Non. Pour moi, c'est pas normal. Moi, j'ai appuyé sur ma carte verte. Non, t'as appuyé carte verte, il a dit. Et quoi encore? Il a dit j'ai Normalement, j'avais dit que je te contrais. Ouais. Il a dit, ouais, je vais te contrer, ouais. Va contrer ça, va. Allez. Non. Ok, 1v3. Il va le faire, le 1v3. Moi, j'y crois, il va le faire, le 1v3. Allez. Je vais le faire, le 1v3. Faire attention, là. Faut faire attention.
Il va le faire, le 1v3. Ça marche. Ça marche. Ah, ça marche. Il va le faire, le 1v3. Chape les dégâts. Non, mais chape les dégâts. Chape les dégâts. Ah bon, tu me élèves. Je me suis vengé de la dernière fois, frère. La dernière fois, tu m'avais élève. Très bien. Je vois que monsieur le geek, il s'est mis en mode vénère. Écoutez-moi bien, les gars. J'enlève un écouteur. Tu me élèves. Monsieur le geek, tu me élèves. Les frérots. Non, il y a un mois et demi, un truc comme ça, il nous avait élève, il avait fait. Je suis désolé, j'étais parti tout seul. Eh, mais frère, tu m'as pas laissé jouer. Bah, mais frère, mais tu crois qu'on est là pour rigoler maintenant ou quoi? Bon, ok, je vois les bails, vas-y viens, c'est pas terminé. C'est-à-dire que là, t'as utilisé quoi? T'as utilisé le Broly. Ouais. Zenkai, le Broly, l'autre qui a fait le 1v3, et là, ouais. le LF. Ouais. Donc, c'est-à-dire là, il te reste le Goku, Namek. Le Gohan. Le Goku Namek SCJ, le Gohan et le Goku Namek. Oh, Starfall là. Starfall là, ce qui reste. Ok, ça marche. Les frérots, le crime ne restera pas impuni. Promis, le crime ne restera pas impuni derrière l'écran. Les frérots, franchement, c'est tellement kiffant cette application, vous voyez ou pas, ça te permet en fait d'avoir une hype supplémentaire et surtout dans la stratégie du choix des persos. En vrai de vrai, on s'est mis pas trop mal. Par contre, maintenant, ça va être un peu plus compliqué parce que là, voilà, on a joué les grosses cartes direct. Ah bah là, frère, tu m'as pris mes 3 meilleures cartes. J'ai même pas eu le temps de jouer. Ça s'est terminé. Oh, Broly LF, il m'a atomisé. Est-ce que t'as vu aussi le Broly violet? Arrête. C'était un truc de ouf, frère. Arrête. Ah, pas mal. Ah bah enfin. Pas mal là-dessus. Ok. On va faire des dégâts, wesh. Ok. Ah, il a pas fait le petit pas de côté. Là, ça y est, là, il est sérieux, là. Là, il s'est mis en mode sérieux. Attention, ça y est, on l'a vénère, les gars. On l'a vénère, les gars, il est chaud. Ok, je vais me concentrer. Non, j'ai fait une tape attaque. Mais non, frère, voilà, mais... Donc là, voilà, mais comme non, ça, frère. On fait pas bah de non, blast. Frère. Bah non, frère. Ok, c'est bon. Ok. Oh, okay. doucement, il fait trop mal lui. Oh, oh. Ok. Oh. Okay. Il va falloir l'évanouir. Oh lolo. Là, va falloir l'évanouir là. Là, va falloir l'évanouir, mon pote. Allez. Si j'ai un stun, je suis mal. Ok. Sérieux là? Parfait ça. Voilà. Je manque de rapidité. Frère, mais c'est pas possible. Hamdoulay. Oh là 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 là. Ok. Non. Ok. T'aurais pas dû. Si. T'aurais pas dû, je crois qu'il a survie au chaos, si je me trompe pas, c'est un petit moment, je l'ai pas vu, mais normalement il a la survie non, au chaos. Il avait pas de survie au chaos lui. Survie de. Ah non de, non, je survie crois pas. De rien du tout lui. Ouais, il survit pas. Lui il meurt, comme ça j'ai Gohan SCJ2 et le Goku Namek. Mais ouais, non, il a pas survie au chaos lui. Putain, mais je suis. Ok. Oh, pas mal ça. Purée, non. Non. Ok. Ça. Ça marche. Ish, les bidish. Okay. Pas mal. Franchement, là-dessus, il a très très bien joué. Ah, franchement, il a très bien joué sur cette deuxième game. Là, il s'est vraiment bien bien concentré. Allez, vas-y, à ton tour. Allez, fais-toi plaisir, à ton tour. Let's go! Non, là, hey. Là, il a très bien joué. Let's go! Il n'y a rien à dire. Il a très, très bien joué. Un élève partout. Ah, c'est quand même dingue! Oh, la tête de ma mère, tiens! Voilà, tu me fais ça à moi! À ton frérot! Tiens, Nashidan!
Bien joué. Bien joué. Frérot. Ta vidéo, elle est incroyable. On la met sur ma chaîne. Ta vidéo, elle est incroyable. Voilà, c'est extraordinaire, incroyable. Les gars. Un et partout, là, du coup, là, sur la dernière, on a le droit de prendre qui on veut. C'est exactement. Un truc de fou malade. Ah, parce que là, je sais que du coup, là, ces Broly vont faire très très mal. Ah là 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 là. Qui va ça va être. Les deux Broly là, ils sont. Ça va être. Allez, vas-y, on y va comme ça. On donne tout, les amis. On donne tout. En tout cas, franchement, incroyable la vidéo. Je le LF au premier combat, il me LF au deuxième combat. Deuxième combat, frérot, t'as très bien joué. Hein. Ouais, calme-toi un petit peu. Parle pas avec moi. On est sur ma chaîne, calme-toi. Non, c'est franchement stylé de ouf. Le Mirai, tout ça, il avait fait le taf. Et même le Raditz, hein, mine de rien, tout à l'heure, c'était pas mal. On va voir, les amis, ce que ça va donner. Wesh, frère, il se tient la tête pour choisir ses persos. Allez, tu sais quoi, pour la dernière, je tente le tout pour le tout. J'ai envie de kiffer un max. Et voilà, quoi. Mais en tout cas, le 1-1, il fait plaisir. Ouais, le contre-LF, il m'a fait plaisir. Le contre-LF, ouais, vas-y. Parle pas avec moi, toi. Ok. La même team, du coup. Ok. Ah, wouah. Bonne tempo là-dessus. Et là, tu vas manger un petit peu. Bien sûr, parce que t'as Switch. Faut non, pas mais switch c'est pas ça, Broly. Mais Chab. Faut pas Switch devant Broly, monsieur. Chab. Faut pas Switch, wesh. Non, gros, là, c'est trop, par contre. Heureusement. Ok. Ok. Ouais, c'est quand t'arrêtes de taper? Non. Quel enfoiré, il est trop. Il a été trop malin là-dessus. Oh. Hey, calme-toi quand même. Allez, let's go. Oh, il en a pris un. Ok, là j'ai pas le droit à l'erreur. Allez. Oh là là, oh là là. Allez. Wesh, mais on dirait il tape tout le temps. Tête de ma mère, voilà. On dirait il tape tout le temps, les frères. C'est un truc de fou. Allez. Non. Yes. Okay, allez, s'il te plaît. Non, mais c'est trop. Genre, il a rattaqué tout de suite, wesh. Non. Let's go. Broly, s'il te plaît, mon frérot. S'il te plaît. Oh, well, one shot. J'ai pas le choix. Je sais qu'il va résister au KO, mais je suis obligé avant qu'il puisse remettre le Goku SSJ3. Je préfère faire là-dessus. Mais le Goku SSJ3, il a un HP, frère. Comment ouais, mais. Oh non. Oh ok. Non, la vérité. Non. 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 T'as un HP, arrête. Non. Let's go. Non. Victory. Oh non mais là Starfall là. C'est pas possible. Il restait un HP, frère. Il restait un HP. Incroyable les games. Oh là là, GG. Franchement rien à dire. GG, bien joué. Franchement, elles étaient incroyables les games. Incroyable. Vous vous rendez compte? Un HP le Goku SSJ3, un HP le Mirai Gohan, frère. Calme-toi un petit peu. Non, hey, parle pas avec moi. T'as vu comment tu m'as one shot avec toi? Ah, Broly, je l'exclus direct maintenant. Broly, je l'exclus direct. C'est mais mort. C'est toi, tu switchais. Faut pas switcher face à Broly sinon ça le booste. Non, mais frère, tu crois que je connais pas la carte Broly? Faut pas non plus déconner. Là, frère, il était en train d'atomiser tout le monde.
J'avais même pas switché en plus. J'avais même pas switché. Non, GG. C'était comme ça normal. Bah oh, franchement, beau gosse. GG. Non, GG. GG à toi. Les amis, fight. Il va y avoir le match retour sur la chaîne du frérot Yekase. Donc je vous invite à aller la voir. Putain, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. Ah, c'est dommage. Incroyable. Dommage pour c'est moi vrai. Et GG pour lui. GG pour lui. Rien à dire. Bon, bah voilà, c'était. Des belles bastons, frérot, on est parti jusqu'à la belle. C'était incroyable. Et il y a eu 3 LF en 3 games. Oh, c'est un truc. Eh, ça, je te jure, moi, j'LF pas normalement. Tu vois, pardon ? Moi, je respecte. Pardon ? Moi, je respecte le frérot. Ok, on se souviendra. Toi, tu vas pas respecter la première game. On se souviendra les précédentes games. Par contre, c'est normal que t'as changé ton style de combat. Ton style de combat, il est très agressif, je trouve, quand même. Tu laisses pas le temps de me respirer. Non, je veux pas te laisser respirer. Mais bon, t'as bien joué. Bah, les amis, écoutez, franchement, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec le frérot Yekase pour ce duel. Pareil. Je pense qu'il va y en avoir plein d'autres. Et je vais te laisser le mot de la fin, le frérot. Bah, du coup, j'espère que vous allez bombarder la barre de post-lac, les amis, que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie, et voilà, ça fait grand plaisir. Merci encore à Monsieur Le Geek pour son invitation. Des gros cœurs sur toi, et des gros cœurs sur vous. Des gros cœurs. Ciao, merci beaucoup, frérot. Merci. Ciao. La passion passe. Après les priorité. Ciao. Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek. Ça a l'air super. Non. Yeah.